Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo intitulée « Le fer, métabolisme et exploration ». Pourquoi un cours sur le métabolisme du fer? Premièrement parce qu'il fait partie du programme du concours de Résidana. Et deuxièmement, pour bien maîtriser l'anémie fébrile, il faut bien connaître le métabolisme du fer et son exploration. Et je commencerai avec les différentes fonctions du métabolisme du fer. Comme on le connaît tous, le fer sert à transporter l'oxygène vers les tissus. Et ceci à l'aide d'une molécule appelée hémoglobine. Deuxièmement, il permet de stocker l'oxygène dans les muscles grâce à une molécule appelée la myoglobine. C'est pour cela que nos muscles sont bien rouges parce qu'ils contiennent beaucoup de myoglobine. Et sa troisième fonction est de transporter les électrons. Et donc, sachant que le fer existe sous deux formes, la forme divalente et trivalente, il constitue un très bon catalyseur des réactions d'oxydoréduction. Et parmi les enzymes d'oxydoréduction qui contiennent du fer, il y a les catalases, les peroxydases et les cytochromes. Ces enzymes interviennent dans les réactions d'oxydoréduction. Et je citerai en particulier une enzyme d'oxydoréduction, c'est la ribonucléotide réductase qui intervient dans le métabolisme des acides nucléiques et aussi dans la division cellulaire. Je ne dirai pas plus que ça sur les enzymes contenant du fer parce que ce n'est pas l'intérêt de ce cours. Alors, notre organisme contient environ 3 g à 4 g de fer actif. Dans certaines publications, vous allez trouver jusqu'à 5 g de fer sont contenus dans l'organisme. Pour être beaucoup plus précis, il existe chez l'homme 50 mg de fer par kilo de poids chez l'homme et environ 35 mg par kilo de poids chez la femme. Voilà. Cette quantité de fer est répartie en 3 compartiments. Le premier compartiment est dit le compartiment fonctionnel, c'est-à-dire contenu dans l'hémoglobine. Oui, on l'a dit tout à l'heure, l'hémoglobine contient 65 à 70% du fer de l'organisme. Ce n'est pas étonnant qu'une carence en fer entraîne une anémie, dite anémie fébrile. Cette hémoglobine est stockée dans les érythroblastes, mais surtout dans les globules rouges. La myoglobine dans les muscles, mais elle constitue que 5% du fer de l'organisme. Les différentes enzymes qu'on vient de citer ne contiennent que 0,5% du fer actif. Le deuxième compartiment, c'est le compartiment de transport, représenté par la transpirine ou la sidérophiline. C'est la même molécule avec deux appellations différentes. La transpirine est une molécule de transport plasmatique
hein, elle existe dans le plasma du fer. Mais elle ne constitue que 0,1% du fer de l'organisme. Et le dernier compartiment, c'est le compartiment de réserve, représenté par la ferritine, 15%, et l'hémosidérine, 15% aussi. En fait, l'hémosidérine, c'est la forme dénaturée de la ferritine. Lorsque la ferritine entre en contact avec des lysosomes, elle sera dénaturée et transformée en hémosidérine. Et par contre, le fer qui est stocké dans la ferritine est beaucoup plus facilement mobilisable par rapport à celui de l'hémosidérine. Et cette ferritine existe dans les hépatocytes, les entérocytes, le foie, la rate, la moelle, etc. Il existe aussi une toute petite quantité de fer libre, dit le fer non lié à l'hémoglobine, non lié à la transpirine, ni à la ferritine. Et ce fer libre est très toxique car il constitue des radicaux libres. Et en cas d'excès en fer, ces radicaux libres peuvent se déposer sur le foie, entraînant une insuffisance hépatique, sur le cœur, entraînant une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale. On appelle ça l'hémochromatose. Et donc, un équilibre doit être maintenu entre la carence en fer et l'état d'hémochromatose. Et afin de maintenir cet équilibre, le fer doit circuler dans l'organisme d'une façon cyclique et fermée, en cercle fermé, c'est-à-dire que la quantité de fer qui est absorbée doit être égale à la quantité perdue. Bien sûr, on absorbe environ 1 mg de fer par jour et cette quantité est perdue au cours de la même journée. Ceci est appelé le cycle fermé du fer, que nous allons tout de suite voir en plus en détail. Premièrement, le fer est apporté par l'alimentation. L'alimentation apporte environ 10 mg de fer, mais seulement 1 mg de fer est absorbé au niveau des intestins. Une fois absorbé, il va se lier à une protéine appelée la transpirine, oui, que nous avons décrite tout à l'heure. Cette transpirine va l'acheminer vers la moelle osseuse où il va être incorporé par les érythroblastes dans les molécules d'hème. Puis, une fois les globules rouges formés, ils vont sortir en périphérie dans le sang contenant de l'hémoglobine et des molécules de fer. Donc, les globules rouges servent à transporter l'oxygène vers les tissus. Au bout de 120 jours, ces globules rouges vont être hémolysés. En moyenne, 120 jours après, les globules rouges vont être phagocytés par les macrophages. Les macrophages vont donc recycler le fer contenu dans les globules rouges. Ils vont le redistribuer vers les érythroblastes encore une fois, mais aussi le mettre en circulation vers le plasma où il sera, acheminé par la transférine
vers le foie, on l'a dit tout à l'heure, pour être stocké sous forme de ferritine et bien éventuellement en hémosidérine. La transférine va l'acheminer aussi vers les muscles pour former de la myoglobine ou les mitochondries pour produire les enzymes d'oxydoréduction. Cette quantité qui est absorbée doit être perdue, et soit sous forme urinaire, desquamation de la peau, etc. Donc, et surtout sous forme de menstruation chez la femme, sachant que la femme perd environ 30 à 35 mg de fer par mois. Alors, dans cette première vidéo, nous allons surtout aborder les apports alimentaires en fer, l'absorption intestinale et les pertes en fer. Et lors des prochaines vidéos, nous allons parler du transport, de l'utilisation du fer et son recyclage, voire même de son stockage. Alors, l'alimentation apporte environ 10 à 20 mg de fer par jour. Et ce fer alimentaire existe sous deux formes. La forme dite iminique, c'est-à-dire le fer est incorporé dans la molécule d'hém et donc dans l'hémoglobine, sous forme Fe2+, alors que le fer dit non iminique et continu dans les végétaux tels que les légumes et les fruits. Parmi le fer iminique, je citerai le boudin noir qui contient 14 mg de fer par 100 g d'aliments. Le foie de veau, environ 8 mg de fer par 100 g d'aliments, les huîtres 6 mg et les viandes rouges, environ 4 mg par 100 g de viande. Alors que les végétaux contiennent aussi du fer en quantité assez importante, sauf qu'elle est sous forme trivalente, Fe3+. Et pour qu'il soit absorbé, le fer doit être converti en Fe2+, en forme divalente. Parmi les aliments qui contiennent du fer non iminique, il y a les épices, les céréales, le cacao. On voit, et bien sûr, les lentilles, les épinards. Mais contrairement à ce qu'on croit, les lentilles, les épinards ne contiennent que 2,4 mg de fer par 100 g d'aliments. Alors, l'absorption ne concerne que 10% du fer alimentaire, c'est-à-dire l'homme, chez l'homme et la femme ménopausée, l'absorption est de 1 mg de fer par jour, alors que chez la femme, pubère, c'est environ 2 mg par jour. C'est une augmentation qui est physiologique, due aux menstruations. En fait, lors des menstruations, la femme perd environ 8 à 20 mg par mois en fer.
les femmes enceintes ont besoin de plus de fer et donc leur absorption, elle augmente jusqu'à 3 à 6 mg par jour. Oui, la femme qui allaite aussi, son absorption en fer augmente. L'absorption en fer chez le nourrisson est augmentée, bien sûr, parce que il est en pleine croissance. Et il a un régime lacté. Comme on va le voir, le lait est un chélateur de fer, et pauvre en fer. Chez l'adolescent, en pleine croissance, l'absorption augmente d'environ 1,5 mg par jour. Alors, quels sont les différents facteurs alimentaires qui influencent l'absorption intestinale du fer? Premièrement, la ration alimentaire. Mais ne croyez pas que si vous mangez 3 assiettes de viande, vous allez absorber 3 fois de fer. L'absorption est multipliée par 2 au maximum. L'absorption du fer est favorisée par la vitamine C. Bien sûr, la vitamine C transforme le fer trivalent en fer divalent et donc absorbable. Le fer divalent est absorbable au niveau des intestins. Alors que le lait, le thé sont des chélateurs de fer et donc diminuent l'absorption du fer. Surtout, on le sait très bien que les grands buveurs de thé ont un taux plus bas en hémoglobine. Et donc le thé peut chélater jusqu'à 95% du fer, selon la qualité et la quantité de thé ingéré. Et on ne le dira jamais assez, le fer iminique, parce qu'il est divalent, il est absorbé au niveau des intestins à environ 20% du fer iminique est absorbé. Alors que le fer non iminique, le Fe3+, n'est pas absorbé. 1% à 4% du fer non iminique est absorbé au niveau des intestins. Voilà. Donc, en conclusion, Popeye s'est bourré en mangeant des épinards, en croyant qu'ils étaient riches en fer. Même notre maman qui insistait pour qu'on termine notre assiette de lentilles sous prétexte qu'elle contient beaucoup de fer. Elle s'est trompée. Popeye aurait dû manger un steak bien rouge, bien saignant. Les pertes physiologiques en fer sont faibles. Bien sûr, elles sont égales à la quantité absorbée par jour. Et sont généralement représentées par les desquamations. La poule, les panaires, les muqueuses intestinales. Et ceci représente environ 0,9 mg par jour. Les pertes urinaires et biliaires sont minimes. Voilà. Alors qu'il existe des pertes en fer supplémentaires chez la femme en période de menstruation, environ 30 mg par cycle, soit à peu près 1 mg par jour de fer, et donc la femme perd environ 2 mg de fer par jour. Sachant que 1 litre de sang contient environ 500 mg de fer.
L'absorption intestinale se déroule au niveau des cellules intestinales qui se trouvent dans les villosités duodénales. Et voici schématiquement une cellule intestinale, un entérocyte différencié. On voit ici son pôle apical et le pôle basal vers où s'achemine le fer dans le plasma. Et donc, le fer non inimique, c'est-à-dire qui se trouve sous forme Fe3+, doit être transformé en Fe2+ pour être inclus dans l'entérocyte. Une fois transformé en Fe2+, c'est-à-dire en fer ferreux, il va être internalisé et une fois à l'intérieur du cytoplasme des cellules duodénales, il va être réparti en deux poules. Un pool de réserve, incluant la ferritine, et un deuxième pool qui va être transféré vers le plasma. Le fer doit être acheminé grâce à des protéines pour passer dans le plasma, puis doit être converti à nouveau en fer 3+. Et ceci afin qu'il soit transportable par la transférine au niveau du plasma. Maintenant, parlons du fer qui est inimique. Bien sûr, il se trouve sous forme F2+ dès le départ. Et donc, il va être inclus dans le cytoplasme des cellules duodénales de façon directe grâce à des protéines. Puis, au niveau du cytoplasme, la molécule d'hème va être oxydée grâce à la M oxydase qui va la transformer en bilirubine, puis en bilirubine. Et donc le fer de plus sera libéré et va rejoindre le pool de fer non inimique qui a été absorbé. Ne vous inquiétez pas, ça semble un petit peu compliqué, mais je vais vous expliquer tout ça en plusieurs étapes. En fait, il y a trois principales étapes dans l'absorption. La première étape, c'est l'inclusion du fer non inimique. La deuxième, c'est l'inclusion du fer qui est inimique. Et la troisième étape, c'est le passage du fer vers le plasma. Donc ces trois étapes sont imbriquées les unes aux autres et on va commencer avec la première étape, c'est-à-dire l'inclusion du fer non inimique. Pour être introduit dans la cellule duodénale, le fer trivalent doit être converti en fer divalent Fe2+. Ceci fait appel à une enzyme qu'on appelle le cytochrome duodénal B, qui est une enzyme transmembranaire et qui convertit le fer Fe3+ en Fe2+. Et ce processus nécessite de l'acide ascorbique intracellulaire. L'acide ascorbique, c'est la vitamine C. Et donc, la vitamine C est un donneur d'électrons. Il est logique, lorsqu'on a un patient atteint d'une anémie ferriprive, de lui donner, de lui prescrire de la vitamine C, car cette dernière est
est un catalyseur de la réaction d'oxydoréduction. La deuxième notion qu'il faut retenir, c'est que le cytochrome duodénal B est surexprimé lorsqu'il existe une anémie par carence en fer. Une voix convertie en fer divalent, ce dernier peut être assimilé à l'intérieur de la cellule grâce à une enzyme, une autre protéine qu'on appelle le DMT1. Le DMT1, c'est le divalent metal transporter 1. C'est le transporteur des métaux divalents. Hein? Pas seulement du fer, mais tous les métaux qui sont divalents, le magnésium Mg2+, le zinc, le cuivre, etc. Et cette DMT1 est associée à une deuxième protéine qu'on appelle la DAP. Et la DAP est c'est une DMT associated protein qui régule l'expression de la première. Maintenant, pour l'inclusion du fer qui est hémique. On sait maintenant très bien que le fer héminique existe déjà sous forme Fe2+. Et donc, il va être inclus dans le cytoplasme des enterocytes à l'aide d'une protéine qu'on appelle l'ACP1. Et l'ACP1, c'est le M carrier protein. C'est la protéine transporteuse de l'M, qui va l'acheminer à l'intérieur du cytoplasme. Une fois à l'intérieur du cytoplasme, il va être oxydé grâce à l'M oxydase 1, qui le transforme en biliverdine, puis en bilirubine. Et donc, le fer Fe2+ peut être libéré, il va rejoindre le pool du fer non héminique qui sera réparti en un compartiment de réserve en ferritine et un compartiment qui va être acheminé vers le plasma. La troisième étape est le passage du fer Fe2+ vers le plasma. Et ceci va se faire grâce à une protéine qu'on appelle la ferroprotéine. La ferroprotéine est une protéine transmembranaire qui permet le passage du fer de l'entérocyte vers le plasma. Une fois dans le plasma, une autre protéine qu'on appelle l'éphastine. Cette éphastine permet la conversion du Fe2+, c'est-à-dire divalent, en Fe3+. Pourquoi? Pour qu'il soit transporté par la transférine, qui est au départ une apotranspirine, parce qu'elle ne contient pas de fer. Et donc, une fois le Fe3+ trivalent est formé, il peut se fixer sur l'apotranspirine qui sera transportée sous forme d'une allotranspirine. Voilà pour l'absorption du fer. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler transport, l'utilisation, le recyclage et voire même
le stockage et la régulation du métabolisme du fer. En attendant, je vous prie, si vous aimez, un grand pouce bleu vers le haut, et de partager au maximum cette vidéo avec vos amis, votre famille, sur Facebook, Twitter, partout, 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 partout. Partagez, 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 partagez. Je vous remercie pour votre attention et à la suite de ce cours très prochainement. Merci.